Chris, j'ai une question à te poser. Chris ? Oui ? Pourquoi tu retires les stickers ? C'est la surprise. J'ai pas le droit de dire. Et là, t'es en train de retirer les stickers de la voiture. J'ai enfermé les poils, ça marche pas. Sois patient. Tu peux régler la température 650. Non, je veux pas. Il est à 50. C'est une surprise. C'est une surprise. Oh là. Surprise. Bon, du coup, on a quelques explications à vous donner. On vous a parlé de surprise avec Christopher. Enfin, c'est surtout toi qui as parlé de surprise. T'as dit c'est ouais. La surprise. La surprise du chef. La surprise, qu'est-ce que c'est? Donc la dernière fois, on était en train de nettoyer la voiture, hein, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Et je lance une idée comme ça, hein, mais juste bête, en disant « Oh, j'aimerais bien changer la couleur de la voiture ». Et le Lascar, qui est toujours 10 fois plus motivé que moi, il me dit « Bah, il faut pas que le penser, il faut le faire ». Et du coup, on a commencé à mettre, comme on dit, à faire des plans sur la comète, comme on dit. Et du coup, on a été se confesser au patron du garage de commune, mon père, en lui demandant qu'est-ce qu'il en pensait. Et qu'est-ce qu'il a répondu déjà? Il a dit que ça serait bien. Ouais, et il a dit « Du coup, Je vous offre une complète. Je vous offre une complète. Non, indirectement, parce qu'on sert toujours de ces produits toute l'année. Donc, mais... en gros, plus sérieusement, il a commencé à dire « Ah ouais, mais du coup, ça serait bien que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. » Donc, du coup, en fait, on a juste compris qu'il était à fond dans le délire. Donc, du coup, on est passé d'un nettoyage de voiture à un démontage en l'espace de 10 minutes. Ouais, même pas une demi-journée. On avait déjà tout dépouillé, les portes, les éléments mobiles pour les mettre en... Je pense que Vincent s'est mis à les préparer, il faut comme il est à refaire la fibre parce que la fibre était éclatée de partout. Sachant qu'à chaque fois qu'on sortait sur circuit, Vincent n'était pas de me prendre le chou parce qu'il me disait qu'il fallait démonter tout minutieusement pour tout nettoyer et graisser. Donc j'ai dit bah non. Voilà, au moins ça sera fait, comme ça on démonte tout, on graisse tout, vu que bah là pour une complète faut tout dépouiller. Et bah du coup c'est ce qu'on fait, et c'est parti en vrai. Donc on s'est lancé là-dedans et puis bah je vous fais découvrir avec Christopher tout ça maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour chef. Donc le pare-choc avant, c'est un carnage, il était tout défoncé. Lui, il est terminé. Enfin, lui, il n'est pas terminé justement. Ce qui est terminé, pardon. Donc on a les deux ailes avant, elles sont prêtes à être apprêtées. J'ai une porte à complètement démonter. Celle-ci, elle est prête à être apprêtée. Alors. Quand j'avais peint la fibre la première fois que j'installais sur la voiture, donc déjà je suis pas peintre ni carrossier, hein, faut le savoir. Je suis pas peintre ni carrossier là-bas, je suis mécanicien, on va dire. Et encore, je viens de quitter BMW après 8 ans de bons et loyaux services, mais en tant que personne du front office, donc personne qui travaille en relation avec la clientèle. J'ai même évolué jusqu'au poste de chef d'équipe. Donc du coup, je suis pas censé être manuel, mais vu que mon père a un garage depuis que j'ai 5 ans, forcément, bah, je touche en mécanique un petit peu, mine de rien, suffisamment pour pouvoir mettre un moteur qui n'appartient pas normalement à la E46. Mais pendant des années, j'ai pu voir comment faisait plus ou moins le carrossier et le peintre. Compresseur. Donc comment faisait le carrossier et le peintre, enfin les carrossiers et le peintre, ils m'ont communiqué pas mal de choses, j'ai déjà manipulé un petit peu, ce qui me permet aujourd'hui de travailler, sachant qu'ils sont pas là, donc je ne peux pas avoir de leurs conseils parmi mes difficultés que je peux avoir, donc tant pis, on fera en sorte que ça soit sympa en termes de résultats, le but c'est que ça puisse être joli. La première fois que j'avais fait la voiture, déjà j'avais pas du tout apprêté, donc... la fibre, c'est un peu c'est de la fibre bas de gamme. Normalement, il faut la prêter, que ce soit vraiment beau pour boucher les petits trous et autres. Et je ne l'avais pas fait. Donc là, j'essaie de faire les choses un petit peu mieux.
Hop, on va changer le plan. Là, je fais les choses un petit peu mieux, je pense tout, j'apprête tout, et puis pour que ce soit avec le meilleur rendu possible de ce que je pourrais faire à mon niveau, bien évidemment. On cachera avec des stickers, de toute façon, si jamais je fais n'importe quoi. Donc, la travail d'aujourd'hui, donc sachant que, comme je vous montrais, que j'ai déjà avancé, donc travail d'aujourd'hui, là je me suis un petit peu amusé à cacher le barillet. Alors je fais des mélanges, hein. Alors il y en a, ils vont peut-être dire ah, t'as mis du Cinto et autres. Alors oui, j'ai mis un peu de Cinto. Par moment, j'utilise aussi, je crois qu'on appelle ça la choucroute, pour combler certains trous et autres, parce qu'à la base c'est de la fibre. Et puis je finis avec une petite chaîne de Cinto pour que ce soit vraiment propre. Donc je modifie, j'en profite pour faire quelques petites modifs esthétiques. Donc là par exemple, cet après-midi, je vais m'attaquer à ça. Là, j'aime pas trop là l'encadrement pour la plaque. Donc du coup, en fait, je vais le découper, je vais ravancer, je vais utiliser cette partie-là, je vais la ravancer à ce niveau-là et je vais fermer le tout. Et puis je pense que quand j'aurai le refroidissement qui sera passé à l'arrière, c'est un de mes projets, et bah je ferai des aérations à ce moment-là, mais on sera sur quelque chose de plat et pas d'enfoncé. Surtout qu'en plus, il y a un double, enfin, j'allais dire un faux plafond, il n'y a pas de faux plafond, mais il y a une double épaisseur en fait, hein. Il y a la partie intérieure et la partie extérieure. Donc là, pour l'instant, je vais juste fermer, que ce soit un peu plus joli, ça évite de mettre une plaque à l'arrière. Là, j'ai fait aussi, bon, le pare-choc arrière, je l'avais bien abîmé de mon côté. Mais du coup, j'ai lissé là, vous savez, c'est ce que je fais aussi sur le pare-choc avant. Normalement, vous avez ici un petit trait en fait esthétique. Et je trouvais pas forcément ça beau, un petit renfoncement. Donc du coup, c'est pareil, là, je l'ai bouché pour que du coup, ça fasse un pare-choc, on va dire, un peu plus moderne. Un peu plus moderne. On profite pour corriger quelques défauts. Et puis voilà. Là, ici, il y avait une grosse, grosse déformation. Donc j'ai dû modifier, enfin, ressortir un peu le plastique, le chauffer. Il y a même un endroit où j'ai dû réparer le plastique. Et du coup, on finit avec un petit peu de Cinto pour que ce soit beau. De toute façon, moi, ça me permet de m'entraîner d'une part. Et de deux, c'est pas grave, c'est une voiture de circuit. Donc, de toute façon, je fais ça, mais ça se trouve, dès ma première sortie de circuit, je vais déjà tout abîmer. C'est pas ce que je me souhaite. J'espère qu'elle soit le plus jolie possible pendant longtemps. Maintenant, bah, si elle s'abîme, elle s'abîme. Et c'est pour ça que. C'est pas grave si c'est pas parfait et si ça n'est pas fait dans les règles d'art. Donc je m'excuse pour tous les carrossiers et les peintres que je vais peut-être choquer dans mes vidéos. Il y a peut-être des choses qui vont pas me paraître laborieux et ce le sera. Donc je suis désolé. Et puis bah, si finalement je fais les choses à peu près bien, bah, tant mieux. Je n'ai personne pour m'accompagner à part des outils. Donc déjà, j'ai la chance d'avoir des outils. Donc je ferai sûrement beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Je m'en sortis. J'ai plus de chances de mieux m'en sortir que les pauvres gens qui font ça. Dans leur box, dans leur jardin et autres, à qui je tire mon chapeau parce que j'ai une chance ici d'avoir un garage où je peux absolument tout faire. C'est vraiment une chance et je le reconnais. Et je vois que beaucoup de drifters font tout eux-mêmes en allant chercher leurs outils, machines à droite, à gauche. Et ils arrivent à faire des choses quand même qui sont super sympas, n'ayant pas les outils et des conseils à côté. Donc franchement, je tire mon chapeau à toutes ces personnes-là. Voilà. Allez, on poursuit, on va se mettre au travail, on va salir un petit peu les mains. Très important les gants les amis, hein. C'est très important de bien mettre les protections. Là quand j'utilise pas l'aspiration, hein, parce que là en fait tout le système que j'ai, donc quand je peux passer ça, là, quand je passe du coup la ponceuse, en fait il y a un système d'aspiration. Hein.
Donc en fait, tout l'air est aspiré. Donc ça, c'est ultra important. Si jamais je ponce sans aspiration, donc à la main, je mets le masque. Ou alors, éventuellement, je fais appel à la soufflante, là. Enfin, à l'aspiration. Et là, vous avez tout le sol qui aspire justement, qui aspire l'air, donc les poussières que je rejette. Bon, allez, go, c'est parti. Bon, du coup, j'ai commencé. Alors, ne rigolez pas, ça fait 2 ans, je crois, que j'ai pas fait de synto, sachant que j'avais pas fait beaucoup dans ma vie. Enfin, du coup, je vais vous montrer comment j'essaie de faire le synto et comment je l'applique. Bah allez, c'est parti, on y va. Je vais arrêter la vidéo là, enfin, je pense qu'elle va être suffisamment longue, je ne vais pas vous embêter plus avec tout ce qui est partie carrosserie. Là on va passer sur la prochaine vidéo sur la partie mécanique avec remise en état du train arrière complet avec renfort d'ailleurs. Donc je vous fais ça pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, parce que du coup là c'est que le début d'une très longue série de vidéos avec le confinement. Ça me permet de pouvoir vous sortir un peu tout ce que j'ai pu faire sur les semaines précédentes. Donc allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse au bêtisier, ou plutôt une petite dédicace pour mon frère. Allez, salut et merci à tous pour votre suivi. Je voulais juste faire, avant d'effacer et réparer les traces, une dédicace à mon frère que j'aime très fort. Hein. Mais il m'avait un petit peu abîmé le pare-choc là. Et puis là. Et puis là. Donc une fois qu'elle sera repeinte, tu pourras toujours conduire ma voiture. Mais tu me niques pas mon putain de pare-choc avant. Tu peux faire l'arrière, mais pas l'avant. Franchement, pour l'arrière, bah alors là, il reste plus rien du tout. Si, lave de transmission. Monsieur Karcher. Vas-y Vincent, vas-y. Et pour Vincent, allez, allez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous être lancé dans quelque chose. Ça, je vais le dire à qui, parce que je n'ai pas dit. De vous lancer dans un truc et vous dire ouais, ça va être génial, je suis trop chaud, il va tout pointer. Donc voilà, j'ai fait quelques tests de soudure, des réglages, mais c'était pas génial. Donc pour demain, je ferai ça correctement. Tout. Et qu'au final, bah, plus t'avances, plus t'as l'impression que tu recules et tu te dis en fait, bah, ah, une connerie. Non, pas une connerie, mais ah, dans 2 semaines, ce sera fini. Ah non, peut-être que dans 2 semaines, ce sera fini. Bon, bah, dans 3 semaines. Là, je sais même pas si dans un mois, on aura fini cette putain de bagnole. Dans 2 semaines, alors, les soudures, c'est fini. Je vais vous montrer ça. Sacré chantier en tout cas, sacré chantier, moi franchement, j'en suis déjà fatigué.